Je suis un expert électronicien dans le développement de systèmes instrumentaux pour la radioastronomie et j'ai notamment participé au développement du nouveau récepteur de cet instrument, le radiotélescope décimétrique de Nancy. Je suis aussi un manager puisque je suis responsable de l'équipe électronique. Alors c'est une équipe technique d'une quinzaine de personnes, essentiellement des ingénieurs, qui possèdent toutes les compétences techniques pour développer les télescopes que nous avons ici. Enfin, je suis un chef de projet et notamment je suis en ce moment en train de manager le projet LOFAR qui sera un nouveau télescope implanté sur la station de radioastronomie. Après un bac F2 en électronique, j'obtiens un BTS, un brevet de technicien supérieur en électronique, et à partir de là, j'embraye une formation de 8 ans qui me mènera à un diplôme d'ingénieur du CNAM en électronique. Pendant cette période d'études, je passe un concours d'assistant ingénieur, Bac plus 2, au laboratoire de spectroscopie atomique à Caen, où je travaillerai sur un accélérateur de particules. Avec mon diplôme d'ingénieur du CNAM, Bac plus 5, je peux enfin me présenter au concours d'ingénieur de recherche, et c'est en 1999 que je passe un concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour intégrer l'association de radioastronomie de Nancy. Le fait de travailler dans ce domaine qui est la radioastronomie permet de voyager. Il permet aussi de rencontrer des chercheurs, des ingénieurs de toutes nationalités confondues. Et tous ces ingénieurs, tous ces chercheurs bâtissent ensemble des nouveaux télescopes qui vont permettre encore d'améliorer notre compréhension de l'univers et la façon dont il s'est formé.